Oups, pardon. Le jour, on voit la laine et on n'aime pas cela surface. Un jour, mon ancêtre Curon s'en est allé creuser dans la forêt. Il y avait soi-disant du mitril. S'il y en avait, on sait pas où se trouvait. Nous sommes les nains slaves. Creuse le jour et on n'aime pas cela surface. Voici l'histoire d'un incapable de courir et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivons, il le dira la main. Nous sommes la montagne, pose le jour, on voit la nuit, et on n'aime pas cela surface. Faudrait que je la reprenne cette musique, que je la resume. Non, le bois. Non. Comment ça, non? C'est quand tu t'en vas qu'il y a des visiteurs qui viennent. Ah, mince. Il y avait Ipsens qui était là. Zut alors. Et il y en a un autre qui est venu aussi entre-temps. Et ah. Qui est parti. Bah écoute, ouais, j'ai pas pu... Bah ouais, j'avais un coup de fil important. Bah il va peut-être repasser. Hop, on se remet sur le jeu. Non. Si. Si. Bon, on est bien. J'ai rebranché ma manette. Voilà. Bon alors. Un oratoire. Il est peut-être toujours là, hein? Non. Ibsen, c'était là? Après, il a cours, donc du coup, il peut peut-être pas rester trop longtemps. Ah, tu le connais? Ouais. Il est abonné à... Moi, je veux juste l'activer, le bordel. Je veux pas me téléporter. Mais comment ça coûte super cher dans le jeu, c'est hallucinant, quoi. Comment ça? Tu veux acheter juste un arc, faut dépenser 900, quoi. 900 pièces. Non, mais sérieux. Alors, toi t'es qui? Le chambellan. Que se passe-t-il? Je suis navré, nous devons faire face à une situation, je cherche une chasseresse. Gloria Fausta, malheureusement je ne connais personne. Notre duc a été kidnappé, été enlevé, je parierais que c'est un coup de ces chiens de Sangripine. Nous avons un genre de problème. Sébastien de Camlorn, peut-être seriez-vous disponible pour sortir le duc d'un mauvais pas.
Nos andouilles de garde ont laissé le duc se faire enlever. Voilà ce qui s'est passé, je vous en prie. Vous avez l'air de savoir y faire. Quelqu'un de votre trempe peut certainement nous aider. Qui a enlevé le duc? Maudite Saint-Grépine. Camelan est en plein chaos, le duc n'est plus là. Qui sait ce que va faire la secte? Au moins la garde du loup est arrivée. Parlez au lieutenant Harim si vous voulez aider. Il est près du farm, a-t-on dit. Voilà, je vais lieutenant Harim, était en mission de repérage près du phare, il a peut-être déjà couvert les sangrépines, nanana. Sébastien. Eh bien, c'est sa grâce, le dur de Calorme. Que dire de plus? Il aime bien son peuple, qu'il aime en retour, il a été chassé. Camelon parle Falchu. Et c'est loup-garou. À présent, il règne en exil depuis la Mété la veille. En fait, il faisait avant d'être enlevé. Vous ne savez même pas quelles sont les intentions. Je peux deviner. Nous assiégeons Camelon, nos forces sont donc au point de rupture, et franchement, le guet du coin ne sert pas à grand-chose. Avec le duc parti, l'ennemi peut prendre Mété la vieille, puis frapper nos troupes à Camelorn pour l'arrière. Mais ce ne sont que des suppositions. Falchu. Horrible brut. Tête des loups-garous. Vous ne savez vraiment pas quelles sont les intentions du culte de Saint-Grépine. Au revoir. Merci. Du coup, il y a une forge dans le coin ou pas? Ouais. Ah putain, elle est juste en face, cool. Moi, je suis en train de faire un peu de vol pour gagner de la thune. Ouais, t'as raison. Bah moi, je vais. Moi, ce que je vais faire, c'est surtout. Je vais faire de la recherche, voir si je peux rechercher des trucs. H masse. J'ai rien. Volons, noble compagnon. Volons. En armure, j'ai renforcé, des bottes infusées. Je vais faire la recherche des bottes infusées. Y a pas un coin où je peux voler? Voilà, attends. J'allais virer mes solerets, mais du coup. Ah ouais. Non, ils sont. Ah ouais. Ouais, j'allais les. Voilà. T'oublies pas de réparer, hein. Ouais. Réparer, j'ai complètement oublié en fait, mais... Bon, bah du coup, je peux faire ajuster. Allez, 6 heures de recherche, putain. Sérieusement, quoi. Voilà. Bah, apparemment, il y a le travail du bois aussi ici, mais il est où? Je peux pas les raffiner. Ok. Création. Non, pas création. Démontage. Non. Si, démontage. Non. Armure. Démontage. Oh bah y a un bouquin aussi ici. Grand héros des compagnons. Démontage. 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 Voilà. Raffinage. Je peux pas raffiner. Ah, et je dois avoir 10 en forge pour raffiner. D'accord. Ok. Pourquoi j'ai une quête sur l'atelier de forge? Alors là, il n'y a que ça, il y a le cuir et le bois. Mais il y a tout. D'ailleurs, à côté du bois, il y a un livre. Il y a un forgeron ici, bonjour. Évangeline. Charpentier, forgeron. Salut Évangeline. Comment, que vas-tu? J'aimerais en apprendre plus. Magasin de forgeron. Déjà, je vais te vendre des trucs. De l'eau claire. La jacinthe. Je te vends ça. Ah, attends, je vais enlever tous les trucs avant de vendre des machins. Bois, c'est où bois? Juste là où je suis. T'es où toi? Juste derrière? Ouais. Ah oui, charpentier. Et il y a un bouquin non, juste sur la chaise à côté. Ah ouais. Si tu ne l'as pas déjà pris. Non, je l'ai pas pris. Je viens de le prendre. Niveau. Recherche. Je suis niveau combien? Niveau 11. Niveau 12. Comme je suis niveau 12, voyons si je peux me faire des armes niveau 12. Alors, épée, master, épée. Démontage.
Voilà. Bouclier en érable vital. Il est mieux celui-là que celui que j'ai ou pas? Non, c'est caca. C'est caca. Ouais, caca des poules, c'est caca. Démontage. Hop, bouclier en érable. Démonte-moi. Et du coup, je peux pas faire de recherche sur celui-là. Voilà. Voilà, on se sent plus léger d'un coup. Alors, toi. Moi, bah moi, je me suis créé une petite arme. Alors, voyons mon arme. Bah oui, 380, c'est mieux. Allez, on va se faire un petit tir. Amélioration. Est-ce que je peux l'améliorer? J'en ai 53, bah... 422, comme ça. Hop, je me fais une petite arme raffinée. Les matériaux, je les garde. Bottes en curbu, je les vends. Pierre de trait, je les garde. Pierre d'âme, je la garde. Gilet en cuir brut, on s'en fout. Tabard de la garde, de dague filante, je la vends. Bande de ceinture, ceinture en cuir brut. Tailleur, jute. Lanière de peau brute, je vends tout. Peau brute. Augmente la durée des effets de potion. Oh là là, bon, y a rien à voler. Je sais pas. Donc du coup, ouais, tu t'es fabriqué des trucs. Juste une épée que j'ai boostée. D'accord. Elle fait juste 422 dégâts. C'était quoi ma quête? Un duc exilé, mais il y avait une quête aussi que je devais faire. Journal quête. Certification. Voilà.